Moi je ne mourrai pas, là c'est ma mort. Dans ma vie est achevée, Jésus.
Ça va, 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 ça va,
Yeah.
Thank you.
n'attends pas, viens dans la main. Viens aller. Tu vas être heureux quand tu es dans la prison de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas être très en joie quand tu es dans la prison de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus, il est le Amen lui-même. Alléluia. Amen. Il est le Amen. Donc quand tu réponds Amen, tu vas dire toi, tu dis que tu es Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es détenu de vous faire nation. Alléluia. Amen. Tu es pour Job 8. Donc, Dieu va nous aider. Job 8, verset 21 à 22. Job, chapitre 8, verset 21 à 22. Écoute très bien. Il est important. Mm-hmm. Il remplira ta bouche de cris de joie. Il remplira ta bouche de cris de joie. Et tes lèvres de chant d'allégresse. Et tes lèvres de chant d'allégresse. Grèce. Tes ennemis seront couverts de honte. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Et il dit la tente des méchants disparaîtra. Amen. Alléluia. Amen. On dit il remplira ta bouche des cris de joie. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, l'ennemi ne veut pas que tu sois en joie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Attrister le Saint-Esprit, ce n'est pas forcément par les péchés. C'est franchement aussi par ton comportement. Tu es enfant de Dieu pour chaque jour fâché. Toi, tu n'es pas en joie. Tu es enfant de Dieu pour pas mettre tes inquiétudes te dépassent. Ton problème te dépasse. Pourtant, tu as celui avec la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il a mis dans ta bouche chaque jour des cris de joie. Alléluia. Et il dit, il a mis sur tes lèvres des chants dans l'église. Amen. Il dit, pour que tes ennemis là, ils soient couverts de honte. C'est-à-dire que tu en joues comme ça, que tu danses pour Jésus comme ça, il a côté qui dit, hé, c'est les méchants. Alléluia. Amen. Il a côté qui dit, hé, c'est là, je ne l'ai pas eu. Je voulais que ce que tu l'as donné dimanche là, elle se fâche et puis je l'ai pris. Alléluia. Amen. C'est ça aussi le piège. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la joie qu'on doit, tu vas remonter cette joie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as quitté quelque part, il t'a annoncé les pièges. Tu n'es rien comme tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu es énervé. Il est chouette. Tu ne sais pas pourquoi tu es fâché. Amen. On dit, il faut chanter, mais tu es fâché. On dit, pas tant que tu es ici. Alléluia. Amen. C'est ça que tu fais ça. Allez, depuis la voiture, ils ont lancé ça sur toi. Depuis ta maison où tu marchais pour prêter, ils ont mis ça sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais pas que pourquoi tu es venu, tu gagnes cela. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas pousser tes cris de Dieu. On n'est pas de point. On est beaucoup. Alléluia. Amen. Parce que les anges sont avec nous. Oui, bien, bien. Alléluia. Amen. Et quand tu vas lancer des cris de joie de tout ton cœur, de tout ton âme, tu vas voir que cette joie va commencer à te remplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie de Jésus? Je prie, je prie. Et puis tu es moins et moins gratuite. Alléluia. Est-ce que tu veux pousser les cris de joie pour Jésus? Son papa est calme. Et puis quand il arrive dans le village, il voit sa voiture. Tout le monde est venu, tout le monde l'applaudit. Alléluia. Amen. Toi, tu ne connais pas calme. Tu ne connais pas ministre. Tu n'as pas relation. Tu n'as pas pote. Mais tu as Jésus. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi celui-là n'est qu'un dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Là-bas, quand on commence, ce n'est pas même que les autres noms. Mais on te dit que là, son nom est son dessus de tous les noms. Et on dit en son nom des génies, tout génie fléchis. C'est cette personne-là. Amen. Je ne sais pas si je veux le qualifier, je ne sais pas comment le qualifier cette personne bien. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, amen, tu vas pousser des cris de joie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que quelqu'un peut pousser?
Alléluia. Bien-aimé. Jésus, il est bon. Alléluia. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant. Il est glorieux. Il est excellent. Il est puissant. Il est victorieux. Il est la mission, la gloire. La gloire. Il est imaginable. Imaginable. Ce qui fait que personne ne peut imaginer. Merci d'avoir été dans mes veilles. Car il est présent, il est
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Nous sommes plus tardés, nous allons passer à une autre étape. Que tu sois, alléluia. Tu vas prendre ta Bible, au livre de Deutéronome 7, verset 14. Deutéronome 7, verset 14. Deutéronome 7, verset 14. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Vas-y, on déjà. Écoute très bien. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie. Il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie. Prie. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de sa mauvaise voie. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai. J'ai guéri son pays. Alléluia. Bien-aimé, ce verset, nous avons fait un verset que nous connaissons tous. Alléluia. Et ce verset est très profond. Alléluia. La Bible ici nous dit que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom. Alléluia. S'humilie. Donc ici, le Seigneur t'appelle à ce que ton nom soit invoqué sur lui. Alléluia. C'est pas sur tout le monde que le nom de Jésus est invoqué. Alléluia. Il y a des personnes qui sont là. Mais leur identité, là, ce n'est pas conforme à celle de Jésus. C'est-à-dire qu'eux, on ne peut pas les appeler enfants de Christ. Pourtant, ils viennent à l'église. Alléluia. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Donc, d'abord, il nous parle de l'humiliation. S'humilier, tu dois t'humilier devant Dieu. Ça fait d'abord un. Il dit, ensuite, prie. Alléluia. C'est un verset de repentance. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, si lui cherche ma face, je les ausserai et je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Amen. Pourtant, ce verset a eu, c'est large. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup que Dieu dit prie, il refuse de prier. Alléluia. C'est quoi? La désobéissance. La désobéissance, c'est un péché. Alléluia. Il y a plein de Dieu les appelle à prier pour des personnes. Souvent, il te réveille même. Tu dis, et qui me réveille? À 3 heures. Tu te couches. Il te réveille encore. Tu te couches. C'est un péché. C'est Dieu qui te réveille. Pour prier pour quelque chose. Il y a des personnes, Dieu leur donne des images bizarres. Ils ne peuvent pas prier. C'est une rébellion. Parce que Dieu dit de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. C'est un péché. C'est pourquoi il a mentionné ça. Et puis il a nous, je lui pardonnerai de ses péchés. Et je les enserrerai. Et je guérirai son pays. Alléluia. Donc il a dit prie. Et ensuite il dit cherche ma face. Nous tous, on sait ce qu'on appelle chercher la face de Dieu. Il y a beaucoup qui ont peur de gêner. Il y a beaucoup, aujourd'hui, nous serviteurs, nous appelés, on a peur de gêner, on a peur de prier, on a peur de chercher la face de Dieu. Alléluia. Pourtant, tout ça, Dieu nous sort ça. Il dit, si il cherche ma face, c'est au-dessus de ça, il dit encore, si il se détourne de ses mauvaises voies, je les enserrerai des cieux. Donc, tant que tu n'as pas encore fini de faire tout ça, là, les ossements ne peuvent jamais arriver. Alléluia. 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 C'est ces péchés-là que le Seigneur a cité dans ce verset. Moi, je ne crois pas. Alléluia. C'est quand tu vas finir de prier. Quand tu vas finir de te murer devant lui. Parce qu'il y a des personnes qui prient même. T'as pensé qu'il parle à son camarade. Alléluia. On a oublié qu'il faut t'abaisser avant de prier. On a oublié qu'il faut te mettre en genou pour demander pardon à Dieu. On a oublié de te dire que quand Dieu parle, il ne faut pas dormir. Alléluia. Donc il s'est s'humilie. Donc il y a l'humiliation devant Dieu. Tu vas porter l'humiliation devant ton créateur parce que ce n'est pas mon camarade. Alléluia. Et s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, ensuite de ça, je les enseignerai. Et il dit quoi? Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Alléluia. Parce que dans la prière, c'est là que tu demandes pardon. C'est dans le chien que tu peux demander pardon aussi. Alléluia. À cette prière que tu adresses à Dieu, il veut qu'il faut aller au fond pour qu'il donne ta réponse. Ce n'est pas toute prière qui va te répondre à l'église. Il faut prier dans ta chambre. Il faut prier où tu veux. Ce n'est pas forcément là-bas qu'il te répond. Il t'attend aussi face à face. Où tu vas chercher sa face, il va te répondre.
C'est pas toute prière qui va passer par le prophète pour te répondre, ou même par l'apôtre, ou même par le pasteur, ou même par l'évangéliste. Il veut te voir seul. Et cette réponse qu'il va te donner, elle n'est pas seule, il va compléter d'autres choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Tu vois, nous avons beaucoup de travail à faire. Alléluia. Et toutes ces choses, quand tu ne le fais pas, tu n'obéis pas à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est comme si c'est des commandements que Dieu te donne. Alléluia. C'est des commandements que Dieu te donne. Et lorsque tu n'obéis pas à cela, c'est un péché. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre des Psaumes. Alléluia, rapidement, nous allons prendre le livre des Psaumes. On va y passer. Est-ce que le Seigneur a permis que nous parlons de ça aujourd'hui? Nous allons prendre le livre des Psaumes. Voilà, nous allons prendre le livre des Psaumes. Psaume 51, au verset 18 à 19. Tu vas comprendre ce qu'il écrit. Psaume 51, verset 18 à 19. Vas-y, comme des gens. Si tu eusses voulu des sacrifices, il dit si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Verset 19. Il dit quoi? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu ne te gagnes pas un cœur brisé de côté. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, mais les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Alléluia. Oui. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc un esprit brisé, c'est quand Dieu dit fais ça, tu fais. Un esprit brisé, c'est quand Dieu dit va, tu vas. Un esprit brisé, c'est quand Dieu dit va faire ça, va faire ça. C'est là que tu vas. Et c'est quand Dieu a dit la dernière fois qu'elle veut faire l'œuvre de Dieu. Elle ne sait pas si elle est intercesseuse, si elle est chante. Il y a tellement de coups à gagner ici. Il faut rentrer sur le nom. Il faut dire shalom à cette fois. Et puis évangéliser, c'est le de Dieu. Prends ta route, va à l'hôpital. Entre, prie, c'est le de Dieu. Vois quelqu'un, dis shalom. Tu peux m'accorder deux minutes. Parle-lui de Christ, c'est le de Dieu. Tu n'es pas forcément d'accorder le ministère. Alléluia. Donc, un esprit brisé, c'est quand Dieu te dit de faire quelque chose. Dieu te montre l'image de quelqu'un où son père est coupé. Tu dis, oh, c'était un vilain maïs sale même. Il est en train de dire que quelqu'un sautait de pas près de lui. Alléluia. Amen. C'est ça le don de vision de l'esprit. C'est un don aussi. Tu ne connais pas une femme où tu vois la tête, elle a été accouchée, elle souffre. Prie pour elle, elle a été accouchée, elle te montre enceinte. Tu sauras faire quelque chose. Prie pour elle. C'est comme ça. Mais à toi qui vois ça, et ils ne le font pas. Dieu a besoin de nous ici, on est à droite. Dieu a besoin de nous à l'hôpital, on est au champ. Dieu a besoin de nous au champ, on est en bus. Dieu a besoin de nous en bus, on est ailleurs. C'est-à-dire où Dieu nous veut, là. Nous on n'est pas là-bas. Ce qu'il nous veut, c'est ce qu'on fait. Et là, Dieu nous dit qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice. Non, j'ai envoyé 10 millions. Non, ils vont construire le temple là, c'est bon. Mais aussi, il dit ce qui est agréable à lui, c'est un cœur brisé. Un cœur qui l'obéit, un cœur qui l'écoute, un cœur vraiment qui l'entend. Et que dès qu'il fait mon hein, tu sais que c'est juste tes lèvres. C'est ce cœur-là qui veut. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas bien aimé, tu vas t'élever, tu vas prendre une position d'humilité. Et tu vas demander pardon au Seigneur. Parce qu'il y a eu plein de fois que tu as eu besoin de toi ici. Comme l'homme de Dieu a dit dimanche. Pour prier, on va courir derrière toi. Pour une délivrance, on va vraiment te poursuivre pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a des jours tu viens, il y a des jours tu ne viens pas. Pourtant tu n'as rien à faire à la maison. Pourtant tu as besoin de toi. Tu es important dans la maison de Dieu, tu es nécessaire. Ta parole que tu vas dire shalom là, ça peut faire quelque chose à quelqu'un. Commence à demander pardon à Dieu bien-aimé. Car nous avons péché contre le Seigneur. Car nous avons péché contre lui. Il dit, ce n'est pas de donner une nourriture à quelqu'un. Ce n'est pas de donner des tuniques à quelqu'un. Ce n'est pas de dire ça. Ou bien de faire ça. Ce n'est pas ça qui compte. Bien aimé, ce n'est pas de sacrifier, donner pour
Mais ces sacrifices ne comptent pas. Il dit, ce qui est agréable, c'est un esprit brisé. Il faudrait que l'esprit de Dieu pour toi soit conforme à ton esprit ou à ton âme. Pour que vous marchiez dans le brisement. Parce que l'esprit de Dieu vient te consoler, vient t'accompagner à obéir aux ordres de Dieu, à l'ordre de Dieu. Mais si toi tu n'as pas l'esprit brisé, si toi tu ne veux pas entendre ce que Dieu te dit, et tu veux faire ce que ton cœur veut, ce que ta chair veut, mais que tu désobéis à Dieu, est-ce que tu peux lever la voix et parler à Dieu? Est-ce que tu peux lever la voix et parler à Jésus? Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu? Pour plein de choses, ils t'ont parlé. Ils t'ont dit ça là, ce n'est pas bon. Toi-même, tu as vu les fruits que ça produit. Mais bien-aimé, tu es toujours encore dans ces choses. Bien-aimé, on parle, tu es toujours encore dans ces choses. On prête cela dans l'église, tu es toujours encore dans ces choses. Bien-aimé, est-ce que tu as pensé qu'une fois à ton père puisse sonner demain? Est-ce que tu as pensé que dans ton école où tu te trouves, dans ton travail où tu te trouves, la tempête peut sonner? Est-ce que tu as pensé à la maison où tu es, pendant que tu es là causé ou appelé? Est-ce que tu penses que la tempête peut sonner? Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu, bien-aimé. Car le Seigneur, il est là, il te voit. Car le Seigneur, il est là, il voit tout ce que tu fais. Il voit tout ce que tu fais, bien-aimé, même dans le noir. Même là où tu te caches. Rien n'est caché au devant de lui. C'est pourquoi ce soir il t'appelle à la repentance. Commence à demander pardon à Dieu sincèrement. Commence à demander pardon à Dieu sincèrement. Parce que bien aimé, lorsqu'il te parle, lorsqu'il t'a averti et que tu ne comprends pas, il enlève sa main sur toi et il te regarde. Il enlève sa puissance. Il enlève sa main qui protège sur toi et il te regarde. Commence à demander pardon à Dieu, bien-aimé. Vous n'êtes pas que cette main se loin de toi. Vous n'êtes pas que la face du Saint-Esprit se tourne de toi. Demande pardon à ton Dieu, bien-aimé. Tu ne te caches pas devant Dieu. Oh. Tu ne te caches pas devant Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, à qui tu penses que tu fais du mal? Bien-aimé, ce Dieu-là, il a tout fait pour toi. Regarde, il a exprimé son amour à plusieurs, à des diverses manières. Il t'a donné sa parole pour que tu marches selon cette parole. Tu as été tenté par le péché. Le diable, c'est là pour toi, pour te plonger dans le péché. Et ce Dieu-là vient et il te sauve. Il te détourne de ta voix. Il t'envoie tout dans sa parole, mais tu refuses de laisser dans cette parole. Demande-lui pardon sincèrement. Bien-aimé, il est mort pour toi à la croix. Est-ce que cela n'est pas suffisant? Bien aimé, tu étais dans le monde. Regarde, tu étais dans ces choses du monde. Il t'a retiré de ce monde. Est-ce que cela n'est pas suffisant? Regarde, il a mis une différence entre toi et cette personne. Et aujourd'hui, quand on te regarde, on voit un changement. Quand on te regarde, on dit que tu es devenu vieille. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un esprit de grand, un esprit puissant en toi. C'est pourquoi on ne voit plus la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est pour le monde. Parce que la jeunesse, c'est pour les choses du diable. Et bon, aujourd'hui, on voit que tu as grandi spirituellement. On te traite de vieille. On te traite de vieux. C'est parce que c'est dans la vérité. Est-ce que cela n'est pas suffisant? Mais regarde, tu retournes encore dans ces choses. Et c'est ce que le monde fait. Ce que tes amis font. Et ce que toi aussi tu fais. Et tu dis, tu te caches devant Dieu. Bien aimé, tu te dis, mais ce que tu fais dans ton travail, on ne te voit pas. Tu te dis, ce que tu fais dans ta maison, on ne te voit pas. Tu te dis, toutes ces choses que tu prononces dans ta bouche, on ne te voit pas. Toutes ces choses que tu dis, on ne te voit pas. Bien aimé, laisse-moi te dire que les temps sont finis. Les temps sont finis. Il est temps de t'attacher à Jésus. Il est temps de donner ta vie à Jésus. C'est pourquoi je te demande de lui demander pardon sincèrement. Parce que ça pourrait être ce soir même à l'instant que la trompette sonne. Ça pourrait être demain matin que la trompette sonne. Ça pourrait être depuis 10 heures. Depuis 9 heures où tu étais à l'école, où tu étais au travail, où tu étais dans des activités, où tu étais dans tes courses, où tu étais dans le taxi, où tu étais en ville, où tu marchais, que la trompette sonnait. Il a permis que tu sois là ce soir. Que tu reconnais tout ce que tu as fait.
pour que tu lui demandes pardon sincèrement. Combien de fois que tu n'as pas murmuré de bon Dieu? Combien de fois que tu n'as pas obéi à ce que Dieu a dit? Tu n'es pas réveillé contre Dieu. Combien de fois parce que Dieu t'a dit cette chose, et tu n'as pas fait l'accomplissement. Mais tu as vu que ces choses sont devenues mal. Tu as vu que toutes ces choses sont tombées à l'eau. Tu as vu que tes projets sont tombés à l'eau. Tu as vu que ton activité ne prospère plus. Ne marche plus comme Dieu t'a dit. Tu as vu que la prophétie tarde, bien aimé. Et tu as commencé à murmurer. Tu as commencé à parler au Dieu. On a tiré une malédiction sur toi, bien aimé. Qui peut parler sur son maître? Qui peut élever le ton sur son maître? Mais toi, tu l'as fait dans le noir. Toi, tu l'as fait dans ta chambre, bien aimé. Demande pardon pour cela. Commence à demander pardon à Jésus. Parce que tu n'as pas eu la foi, tu n'as pas cru en ce qu'il t'a dit. Lorsque tu étais dans ta chambre seule, tu n'as pas cru en ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas cru en cette promesse qu'il t'a faite. Parle à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce que cette bouche est consacrée pour évangéliser. Pour parler. Tu prends et tu injures. Tu critiques. Tu calomnies. Tu fais tout ça de péchés. Qui ne glorifie pas son nom. Qui en entend de sa parole. Demande pardon, bien-aimé. Parce que tu es dans la méchanceté. Tu es dans le vol. Tu as les mauvaises pensées. Tu as les pensées du monde. Tu es ici. Mais ton corps, ton cœur est dans le monde. Tu es ici, mais tu as envie de faire comme le monde. Et quand le monde est censé faire comme toi, toi qui es censé convaincre le monde, toi qui es censé vraiment intimider le monde, c'est le monde aujourd'hui qui te convainc. C'est le monde aujourd'hui qui te frappe à l'œil. C'est le monde aujourd'hui qui te fait changer des décisions. Demande pardon au Seigneur. Parle à Jésus bien-aimé. 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 Parle-lui, 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 parle-lui. Car il sait, il te voit. Car il sait, il t'entend. Il entend tes cris, il entend tes pleurs. Demande-lui pardon sincèrement. Car il a besoin de toi, bien-aimé. Lui, il a besoin de toi, c'est pour être bon pour ses paroles ce soir. Il a besoin de toi parce qu'il veut te reprendre. Parce qu'il veut que cette voix que tu prends ne glorifie pas son nom. C'est que cette voix que tu as empruntée ne glorifie pas son nom. Et cette voix peut te détruire une deuxième fois, une première fois, une troisième fois. C'est pourquoi il t'appelle ce soir la dépendance. Bien aimé, si tu sais en toi-même que tu as demandé pardon au Seigneur sincèrement. Si tu sais en toi-même que tu as demandé pardon sincèrement au Seigneur de là où tu es bien aimé. Commence à réclamer le sang de Jésus. Commence à réclamer le sang de Jésus. Commence à boire ce sang. Commence à boire ce sang. Et ce sang va commencer à laver ton cœur. Parce que le péché vient du cœur bien-aimé. C'est pour ça que la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais c'est ce cœur qui te pousse à parler beaucoup. Mais c'est ce cœur qui te pousse à dire des choses. Commence à réclamer le sang de Jésus. Bois son sang. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Et pendant que tu bois ce sang bien-aimé, commence à parler au Seigneur. Commence à adresser des prières au Seigneur. Commence à boire ce sang. Et commence à déclarer des paroles derrière le sang de Jésus. Ce sang qui est versé pour toi. Que ce sang commence à être loin du péché. Que ce sang te pousse à faire la volonté de Dieu. Que ce sang te pousse à être ferme dans sa parole. Que ce sang te pousse à être dans la parole du Seigneur Jésus. Que ce sang te pousse à faire sa volonté. Que tout ce qui ne glorifie pas son nom puisse se noyer de toi par le sang de Jésus. Il dit dans son sang, il y a la délivrance. Dans son sang, il y a la restauration. Dans son sang, il y a la victoire. Dans son sang, il y a la liberté. Dans ton sang, il y a le déchaînement. Dans son sang bien-aimé, il y a l'affranchissement bien-aimé. Commence à réclamer ce sang. Réclame le sang de Jésus. Plus, réclame le sang de Jésus bien-aimé. Lève-toi et commence à réclamer le sang. Tiens pas debout et commence à réclamer son sang. Réclame le sang de Jésus bien-aimé. Ce sang vient pour toi. Pour remettre tes sens en place. Parce que quelque part tu as oublié quelque chose. Quelque part tu as oublié quelque chose. Il y a un peu plus longtemps que le Seigneur t'a dit des choses. Mais le Seigneur a fait restaurer des choses dans ta tête. Tu as oublié ces choses que le Seigneur a dit. Bien aimé, commence à réclamer le sang de Jésus. De ce sang des rappels jusqu'à la mort. De ce sang des rappels, ce que tu m'as dit. Oui, il t'a dit qu'il va se soumiser. Il t'a
un danger qui va te prendre. C'est ta vie. Les gars, ce sont les plus.
Regarde sur ses pieds. Regarde sur ses pieds. Regarde sur ses pieds. Regarde au nom de Jésus. Regarde au nom de Jésus. Regarde au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par ton sang. Tu as rempli ce temple. Par ton sang. Tu as inondé ce temple. Tu as inondé ce lieu. Ton sang qui a rempli ce lieu. Seigneur Jésus. Je prie. Je prie. Par ce sang. Par ce sang. Le sang de Jésus. Je prie maintenant. Je prie maintenant. De tout ce que l'ennemi. De tout ce que le monde. De tout ce que le monde. De tout ce que le monde. À proclamer sur ma vie, pour m'empêcher de voir ma gloire, pour m'empêcher de te servir, pour m'empêcher l'exaucement de ta puissance, de ta main dans ma vie. Seigneur Jésus, je prie maintenant par ton sang, à cette heure même, de ton sang, annule cela, annule cela. M'empêcher de grandir spirituellement. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en cette nouvelle année, je refuse tout ce qu'ils ont proclamé. Je refuse tout ce qu'ils ont dit, toutes ces paroles qu'ils ont dit sur ma vie. Depuis la tombe, depuis le monde satanique, depuis le monde spirituel, Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole. Que tu as vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Et je crois en ton sang, il y a la guérison. En ton sang, il y a la liberté. En ton sang, il y a la restauration. Je prie, Seigneur, que ton sang accorde maintenant ma délivrance. Que ton sang me libère. Seigneur, cette nouvelle année, je veux te servir, je veux faire ton œuvre, 7 jours sur 7, je veux être dans ta présence, je veux être dans ta présence, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux que cette année, tu m'utilises comme un instrument nécessaire pour toucher le monde, pour toucher le monde, pour aller dans le monde. Pour libérer beaucoup du péché. Seigneur, je suis à toi. Utilise-moi. Par ton sang. Que ce sang me barricade. Que ce sang me couvre et me conduit. Partout où je vais aller. Seigneur, conduis-moi. Par ton sang. Par ton esprit. Par ton esprit. Par ton sang.
Par ton sang. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas aider ta voix et tu vas confier le reste de ce monde dans les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à prier, tu vas te donner, tu vas prier. Tu vas demander que le Saint-Esprit vienne au contrôle de ce moment. Regardez ce moment qui va commencer. Ce moment qui commence maintenant. Fini de te louer. Tu t'es répondu. Il a disposé son sang pour toi. Et clame l'Esprit de Dieu pour te conduire. Parce que peut-être tu vas rentrer dans un moment de prière. Peut-être tu vas rentrer dans un moment pour entendre sa parole. Que le Saint-Esprit vienne t'assister. Ou ne pas que le sommeil te domine. Ou ne pas que la soumission te domine. Ou ne pas que la fatigue te domine. Ou ne pas que la faim te domine. Ou ne pas que la distraction te domine. Commence à prier. Commence à réclamer sur l'Esprit son bleu de toi. Il demande que l'Esprit de Dieu soit là maintenant. Demande que l'Esprit de Dieu descende pour venir conduire ce moment. Pour venir guider ce moment. Et clame le Saint-Esprit. Viens confier maintenant ce moment dans les mains du Saint-Esprit. Confie ce moment dans les mains du Saint-Esprit. Et là, on commence à prier. Yeah.
présence de Dieu. Sans plus tarder, l'homme de Dieu, Étienne va nous aider dans le livre
de Colossiens 2, verset 1 à 3. Le livre de Colossiens 2, verset 1 à 3. Toi qui es en train de noter, tu prends la note. Colossiens 2, verset 1 à 3. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3, nous disons au nom de Dieu. Vas-y, homme de Dieu. Je veux en effet. Et vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et que ceux qui sont à la Odyssée. Et que ceux qui sont à la Odyssée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, moi, Paul, à la chair. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Qu'il soit uni dans la charité. Et enrichi d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés. Tous les trésors de la sagesse. On n'a pas dit est caché, on dit sont cachés. Tous les trésors de la sagesse. Et de la science. Amen. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est toute claire. Gloire à Jésus. Amen. L'apôtre Paul était en train de dire. Ici. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai soutenu pour vous. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat qu'il a soutenu pour vous. Si on enlève l'apôtre Paul et qu'on met le Seigneur Jésus-Christ, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai soutenu pour vous. Ce combat était grand. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En tant que chrétien, né de nouveau, il y a un combat à mener. Alléluia. Amen. Il y a un combat à mener. Et ce combat que tu dois mener, c'est le consolateur qui te guide. C'est le consolateur qui t'accompagne. C'est le consolateur qui t'amène dans le mystère caché de Dieu. Les trésors du Seigneur, qui est la sagesse de Dieu. La science, la connaissance, la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, le consolateur. Sans cela, le Seigneur dit, si tu n'es pas né de l'eau et d'esprit, tu ne peux pas connaître les choses célestes. Parce qu'un prédicateur qui n'est pas né de nouveau ne peut pas faire le combat de Christ. Mais il va faire le combat de la terre, le combat de la chair, le combat du ventre. Est-ce que vous avez fait un combat du ventre? La cupidité, l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous amène à comprendre qu'il y a un grand combat à faire. Alléluia. Amen. Et lui-même, il a mené ce combat pour nous. Et ses apôtres sont venus, ils ont mené ce même combat pour nous. Je vais informer à quelqu'un que là où il dit c'est une église. C'est une église à laquelle vous Paul est passé. Et c'est de ça le Seigneur était en train de s'exprimer par Paul. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit?
ceux qui ont pas vu mon visage à la chair. Ça veut dire là où je suis arrêté. Tous ceux qui n'ont pas vu lui, son visage, Paul, en train de prêcher, mais qui ont reçu cette parole qu'il a écrite, afin qu'il aime. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. De consolation rempli du Saint-Esprit. Afin qu'il ait le cœur rempli du Saint-Esprit. Qu'il soit uni dans l'amour. Voilà le premier mystère. Qu'il soit uni dans l'amour. Donc l'église, la première des choses, le premier combat plus grand que l'église doit mener, c'est pour unir, c'est pour s'unir, et c'est de rester dans l'amour. Parce que si nous ne sommes pas unis et que nous ne sommes pas dans l'amour, on ne peut pas voir Christ. Dans le combat que Paul est en train de mener, c'était d'unir les chrétiens. Ils ont planqué d'aller vers les païens. Parce que dans les païens, Jésus aussi a mis son esprit en eux. Donc il allait les chercher pour venir les unir, pour créer l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait le mystère. Il dit quoi? Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ dans lequel sont cachés. Mystère dans lequel plutôt sont cachés les trésors. Il n'a pas dit un trésor, il dit les trésors, ça veut dire. Il y a la sagesse, il y a la science, il y a la connaissance, il y a la parole. Il y a beaucoup de choses. Les dons spirituels. Il y a les fruits de l'esprit. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons parcourir les écrits. On ne va pas s'arrêter là. On va prendre Colossiens 4, verset 12 à 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Colossiens chapitre 4, verset 12. Verset 12 à 13. Comme la parole de Dieu est une continuité, nous allons voir. Oui, homme de Dieu, le bon combat. Au nom de Jésus. Oui, le bon combat. Et parfois, qui est des vôtres, vous salue. Un autre serviteur de Dieu qui est des vôtres. Oui. Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Voici. Il y a des combats aussi. La prière. La prière. Oui, homme de Dieu. Afin que, parfois et pleinement persuadé, vous persistiez, dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Une entière soumission à quoi? À la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Donc l'un des grands combats que l'Église doit mener, il faut que l'Église soit dans la volonté de Dieu. Parce que si l'Église n'est pas dans la volonté de Dieu, l'Église va faire sortir des serviteurs arrogants. Des serviteurs qui travaillent pour les vendre et les pas vendre. Des serviteurs qui ne sont pas dans le plan de Dieu, mais qui sont dans le plan de l'ennemi. Alléluia.
s'agit pas d'être serviteur, mais il s'agit pas aussi de prêcher pour prêcher, mais il s'agit aussi de dire ce qui vient de l'Éternel des armées. Donc si tu n'es pas dans le plan du Seigneur, la volonté parfaite du Seigneur, l'Église n'est pas dans la volonté parfaite du Seigneur, c'est des cancers spirituels qui sortent là-bas. Dis à ton ami, les cancers spirituels. Voilà. Des cancers spirituels qui sont là-bas. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons à ce moment qu'on appelle communément la marmaille spirituelle. Alléluia. Amen. Mais ils ne sont plus, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ont l'orgueil comme les natures, l'arrogance comme les de l'eau à boire. Et ils sont là, en train de servir l'ennemi sans le savoir. Et ça, ce n'est pas le bon combat. Ils sont quittés dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ici, c'est de réunir les chrétiens, de les mettre ensemble dans l'amour et de pratiquer la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ en leur donnant les enseignements vrais qui viennent de cette parole-là qu'on appelle la Sainte Doctrine et les préparer pour le ciel. Alléluia. Amen. Quand nous voyons le Seigneur Jésus qui rentrait chez Jachée, c'était pour envoyer quoi? Jachée était républicain. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des évangiles qui jugent. Nous avons des évangiles qui jugent. Toi, tu es catholique, tu vas partir en enfer. Toi, tu es ceci, tu vas rentrer ici. Jachée. Le Seigneur Jésus savait qu'il était républicain. C'est pas ça. Il n'est pas rentré chez lui. Le Seigneur Jésus savait que l'argent que Jachée a pris pour faire la nourriture, c'était l'argent volé. Parce qu'il était collecteur d'impôts. Il marmaillait les gens. C'est pas ça. Merci. Quel est l'évangile aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon combat que nous menons? Ne pose pas un mulet. Ne fais pas un mulet. Monsieur. Cela, c'est les athées. Cela, c'est ceci. Si Paul voulait laisser, si Paul faisait ça, est-ce qu'il allait partir chez les païens pour aller les évangéliser? Je ne pense pas. Monsieur. La première manière, les pharisiens venaient et ils disaient aux disciples de Jésus, ils appelaient les disciples de Jésus, on leur disait, mais pourquoi vos maîtres mangent avec les publicains et les prostituées? Et le Seigneur prend la parole, il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien, pourtant, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Mais pourquoi nous, on ne fait pas la même chose? Ce que le Seigneur a fait, et nous, on trie. Est-ce que c'est le bon combat que nous sommes en train de faire? Non. Le bon combat amène le prédicateur ou l'évangéliste à aller et annoncer Christ, l'amour de Jésus, l'œuvre de la croix, et à mener les enfants de Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Voici le bon combat. Le bon combat ne vient pas pour juger. Tu es catholique, mets-toi ici. Tu es ceci, mets-toi ici. Tu es cela, mets-toi ici. Tu es perdu, on ne veut plus te voir ici. Mais le bon combat amène ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans les ténèbres, à la lumière. Écoute très bien, parce que le Seigneur veut que tu chantes ta manière d'évangéliser.
Le Seigneur veut que tu fasses le bon combat. Le Seigneur veut que tu amènes les brebis perdues dans la bergerie. Le jugement appartient à Dieu. Le jugement appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui va juger. Alléluia. Mais ce que Dieu nous demande, faisons le bon combat. Oui, homme de Dieu. On continue. Verset 13. Verset 13. Car j'ai lu là le témoignage qu'il a une grande solitude. Donc j'ai lu là le témoignage qu'il a une grande solitude. Sollicitude. Sollicitude, oui. Pour ceux de Laodicée. Pour ceux de Laodicée. Et pour ceux d'Hierapolis. Alléluia. Amen. La Bible déclare que il était engagé corps, âme, esprit pour ces deux églises-là. Pour que les deux églises puissent révéler, se lever dans le bon combat, l'amour parfait, la volonté parfaite de Jésus-Christ. Pour faire la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Et aujourd'hui, l'église de Dieu est rentrée dans un jugement. Tel pasteur est comme ceci. Tel pasteur est comme cela. Est-ce que toi-même, avant, tu étais comment? Et la parole de Dieu nous dit, la mesure que tu as pris pour juger ton frère, c'est la même mesure-là qu'on va te juger. Alléluia. Est-ce que ça n'a pas été? Amen. Ephésiens 3, verset 14 à 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 19. Oui, homme de Dieu. Je dis au nom de Jésus. Vas-y. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom toute famille. Oui. Et dans tous les cieux. Dans tous les cieux. Et sur la terre. Et sous la terre. Afin qu'il vous donne. Afin qu'il nous donne, nous tous. Selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié par son esprit. D'être puissamment fortifié par son esprit. Dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Bienvenue. Dans notre intérieur, il y a Dieu qui est là. Quand tu étais dans le monde, quand tu veux faire quelque chose qui est mauvais, tu entends une voix au plus profond de toi qui dit, il ne faut pas faire. Ça, c'est pas bon. C'est l'homme intérieur. C'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint. Il te dit, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pas bon. Mais tu t'entends, tu fais ça parce que tu ne connaissais pas. Et les gens disent, c'est mon intuition. Mon intuition m'a dit que... Non, j'ai eu ce pressentiment-là que celui-là n'est pas bon. J'ai eu ce pressentiment dans mon cœur que lui-là, c'est pas un bon type. Mais bien aimé, tu as oublié que l'apôtre Paul a dit que le consolateur qui vous console dans vos cœurs. Donc, qui va venir te parler si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ? Qui te parle dans ton cœur pour te dire telle chose, c'est comme ça, c'est comme ça. Il l'intimera concernant Dieu. Oui, homme de Dieu. Verset 17. Oui. En sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Donc, voici ce que je suis en train de parler. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il va te parler. Non, Dieu ne me parle pas, ça fait 20 ans, je suis à l'église, mais Dieu même, il parle comme moi-même. Mais il te dit toujours, il te parle dans ton cœur, tu refuses. C'est pas Dieu, tu combats ça, feu, nom de Jésus, sors de moi, Satan. Tu combats l'Esprit de Dieu. Alors que ton âme intérieure te parle, ton âme intérieure, qu'on appelle le Saint-Esprit te parle, mais tu n'écoutes pas. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que ton entourage veut. Ce que Dieu te dit de faire, non.
Et c'est ce qui trompe beaucoup l'homme de Dieu. Le Seigneur le parle. Mais comme l'apôtre lui dit, non, tu es un homme de Dieu renommé. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu renommé? C'est Jésus qui est renommé. Il a reçu le nom au-dessus de tout là. Non. Aïe. Toi, ton nom ne peut pas tuer Moussi. Alors que le nom de Jésus chasse des morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Faut prendre quelqu'un. Tu as fait arrêter la personne ici. Et puis tu as dit, au nom d'Abraham. On va voir. Démon m'a dit quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? A été frappé, déchiré tous tes habits. Alléluia. Amen. Ça s'est passé dans la Bible. C'est ça. Gloire à Jésus. Amen. Homme de Dieu, vas-y. Je continue. Afin que tant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, afin que tant enraciné, le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez que de Genèse à Apocalypse, tout autour de l'amour. Toute la Bible tourne autour de l'amour. Parce que cet amour-là, c'est ce qui s'est manifesté à la croix de Golgotha pour toi et moi. Donc, en tant qu'un prédicateur qui n'a pas l'amour de Dieu, tu n'es pas en train de faire le bon combat. Il faut oublier même de servir Dieu. Parce qu'au dernier jour, là, tu sais où tu as parti. Oui. Un prédicateur qui ne pratique pas l'amour de Jésus, non. Tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Même si tu craches du feu. Quand il dit sors, démon, au nom de Jésus, démon sort, et puis il dit je viens plus, il te salue comme ça, il dit je viens plus. Il faut te dire que même là-bas, tu ne vas pas rentrer. Parce que l'amour de Jésus n'est pas en toi. Ça, c'est pour la terre. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc vous allez voir que tous les versets que nous allons prendre, tout autour de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur était toujours avec les pharisiens. Mais jamais il a dit aux pharisiens, voici. Mais au contraire, il a montré la route, la foi qui mène le ciel. C'est eux qui étaient incrédules. Ils répétaient à chaque moment. Il a parlé à chaque moment. Sinon, Nicodème s'est caché la nuit pour partir chez le Père. Est-ce qu'il a chassé? C'était un pharisien. Il avait dit, mais pharisien, t'es venu chez toi dans ma maison, j'y sors. Amen. Oui. Afin que étant enraciné et fondé dans l'amour. Afin que étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Parce que quand tu connais la profondeur, tu connais la largeur, tu connais la hauteur, la longueur, tu ne peux pas juger quelqu'un. C'est ça. Tu ne peux pas juger quelqu'un que nous sommes en train de parler. Le bon combat de l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha pour l'humanité. Il dit, j'ai donné ma vie pour vous. Vous aussi, vous devez donner votre vie pour vos frères, vos soeurs. Mais on est là, on est juge. Est-ce que c'est ce que le Seigneur dit? 4 à 7. Oh Dieu. Et c'est 4 à 7. À 5. Demeurez à moi. Il dit quoi? Demeurez à moi. Et je demeurerai en vous. Donc si celui qui ne demeure pas en Christ ne peut pas pratiquer l'amour de Jésus. Celui qui n'est pas en Jésus ne peut pas pratiquer l'amour de Jésus. Il dit comme le charmant ne peut pas lui-même porter le fruit. Si l'on ne demeure attaché au cèpe,
C'est parce que il y a les enfants de Dieu et qu'il y a prédicateur. C'est ça. Ou bien du moins. S'il n'y avait pas le peuple de Dieu, est-ce qu'il y a serviteur de Dieu? Donc le serviteur doit servir qui? Le serviteur doit servir qui? Le serviteur doit servir le peuple. Parce que Dieu nous a servi. Il s'est humilié à la croix pour nous. Il a été serviteur pour nous. Donc nous, en tant que prédicateurs, nous devons servir le peuple de Dieu. C'est parce qu'il y a le peuple de Dieu qu'il y a prédicateur. S'il n'y a pas peuple de Dieu, il n'y a pas serviteur de Dieu. Donc c'est nous qui devons donner de Jésus-Christ. Donne sa vie pour les brebis qui sont assis là. Parce qu'il sait que c'est à cause des brebis là qu'on l'appelle serviteur de Dieu. Parce qu'il sait la salle était vide. Il allait rester chez lui à la maison. Amen. Donc, demeurez à moi. Oui. Il dit, ainsi vous ne pouvez non plus. Oui. Si vous ne demeurez à moi. Vas-y. Je suis le cerf. Je suis le cerf, vous êtes les serments. C'est tout. Celui qui demeure à moi. Celui qui demeure à moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. En qui je demeure porte beaucoup de quoi? Fruits. De beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand sans moi, vous pouvez faire quelque chose? Jamais. Quand sans moi, tu peux faire quelque chose? Rien. Que sans le Seigneur, je suis un serviteur, ne peut rien faire. De quoi parle-t-il? Non, je suis un super homme de Dieu. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Seigneur Jésus dit, sans lui, la terre rien. C'est ça. Un faux combat d'arrogance. C'est ça. De faire sortir des serviteurs de Dieu, des marmailleurs, des orgueilleux, des arrogants. Ça ne sert à rien. Parce que le Seigneur était rempli d'humilité. Le Seigneur était effacé. Il n'a pas fait bruit. Le monsieur n'a pas entendu son bruit. Parce que quoi? Il est en train de faire le bon combat. Et quand tu fais le bon combat, c'est un humilité. La grâce te localise. Et cette grâce, le Saint-Esprit envoie maintenant les mystères dans tout le monde entier pour dire que j'ai quelqu'un là-bas. C'est de moi. J'ai quelqu'un ici. C'est de moi. Les gens sont en train de dormir et puis le Saint-Esprit est en train de les parler. C'est comme ça nous on a reçu Christ. C'est Dieu qui convainc. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur dit, il est le Saint. Sans lui, on ne peut rien faire. Si nous ne sommes pas en lui et que lui n'est pas en nous, la vie sera à tisser. C'est zéro. Et le bon combat que nous devons mener après l'alliance que le Seigneur a tissé avec nous, c'est de redoubler l'effort dans l'amour et dans l'union. De sortir dans les petites choses, toi tu es ici, toi tu es là, toi tu es comme ça, toi tu es. Non, c'est pas de ça que le Seigneur parle. Le Seigneur ne l'a pas amené à faire ça. Dans le bon combat là, il n'y avait pas ça dedans. C'est ce qu'on est en train de voir, il n'y a pas ça dedans. Le bon combat que les apôtres ont mené, lui-même l'a mené jusqu'à les apôtres. Il n'y a pas le dénigrement. Alléluia. Homme de Dieu, après 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 2.
que la parole de Dieu nous dit. Verset 20. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire? Qu'est-ce qu'on a appris de Jésus? Et plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'on a appris de Jésus? Peuple de Dieu. C'est pas la sanctification. C'est pas le dépouillement. C'est pas la sainte doctrine. Il dit ce qu'on a appris de lui. Ce qu'on a appris de lui, Jésus. Ce n'est pas ce que nous pensons de lui, Jésus. Oui, homme de Dieu. Horace, frère. Puisque vous avez appris de nous, oui. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu? Comment on doit se conduire dans la sanctification et plaire à Dieu? Et que c'est là ce que vous faites. Pour que toute personne sache que c'est par la sanctification qu'on met par Dieu. C'est par la sanctification qu'on peut aller au ciel. Parce que quand on va aller en bas, oui, homme de Dieu, descend un peu. Verset 3. Oui. Ce que Dieu veut. Il dit ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous abteniez de l'impudicité. Voici le bon combat, peuple de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas notre argent. Il y a le bon combat devant lui, c'est la sanctification. 1 Pierre chapitre 2, verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Voici le bon combat. Non. Il dit approche-toi de Jésus. Approche-toi de la sainte doctrine. Voici le bon combat. Mais tu combats ton frère, tu combats ta soeur. C'est un faux combat. C'est un faux combat. Si moi je dis à mon jeune frère, faut pas causer à lui là. Je gagne quoi de là? Jésus gagne quoi de là? Jésus a quel intérêt de là? C'est pas le combat qu'un serviteur de Dieu doit mener. Le combat qu'un serviteur de Dieu, sanctification, voici le combat. Oui, homme de Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Pierre vivante. Rejetée par les hommes. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Parce que quand tu vas accepter la sainte doctrine par les hommes, mais choisis et précieux, choisis et précieux devant Dieu. C'est ça qui compte, frère. Frère, soeur, c'est ça qui compte. C'est ça. Tu as compris, non? C'est ça qui compte. Précieux devant Jésus. C'est devant le Seigneur qui va chercher. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Le combat de leadership. Le combat de qui son ministère va prospérer. Le combat de qui a beaucoup de membres. Et tout ça, c'est terrestre. Tout ça, c'est terrestre. Le chrétien aujourd'hui regarde dans l'assiette de son ami. Au lieu de regarder dans lui-même son assiette, il n'a pas encore fini avec ses problèmes. Mais il va regarder dans l'assiette de son ami pour le juger. Ils sont Chanel. Ils sont plus spirituels. Voici ce que le Seigneur dit. Parce que quand tu fais
pas le bon combat de Jésus, tu es Chanel. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu vas t'intéresser à tout ce qu'il fait à côté, tout ce qu'il bouge à côté, ta bouche est dedans. Tu vas te faire voir. Tout le monde n'a qu'à parler de toi. Tu es Chanel. Parce que quelqu'un qui est spirituel est concentré. Un serviteur spirituel la tête. Il n'a pas le temps d'aller regarder l'assiette de l'autre. Il a mangé ou il n'a pas mangé. Au contraire, s'il attend quelque chose, il prie pour la personne. Sans cela, le Seigneur dit, la moisson est grande. Priez le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Parce qu'une seule personne ne peut pas rassembler toute la terre pour l'enlèvement. Il faut que beaucoup de serviteurs parlent de cette parole de la fin des temps. Pour que des nations, la Bible dit que c'est des nations. Et la Bible a dit 144 000. Parce qu'une seule personne. C'est un mensonge, grand frère. Il faut arrêter pour toi là. Alléluia. C'est écrit noir sur blanc. Oui, comme le tout. Et vous-même comme des pierres vivantes. Vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes. Afin d'offrir des victimes. Spirituel agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture. Il est dit dans l'Écriture. Voici. Voici. Je mets en Sion une pierre angulaire. Hey. Choisis. Choisis. Précieuse. Précieuse. Et celui qui croit en elle. Celui qui croit en Jésus-Christ. Ne sera point confus. Il ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous. Hey. Qui croyez. Même pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Et une pierre d'achèvement et un rocher de scandale. C'est tout. Verset 8. C'est aujourd'hui. Ils sont Chanel. Ils ne font pas l'âme. Ils ne sont pas spirituels. Et la Bible dit que la pierre rejetée serait la principale de l'homme. Que ça serait une occasion de chute pour tous ceux qui seront à côté. Parce que c'est des incrédules. Pour sauver un drogué dans un quartier, tu es là, tu pleures. Seigneur, mon mariage, Seigneur, ma voiture, Seigneur, ma maison. Ton ventre et ton bas-ventre. C'est pour que les gens te voient au quartier. Et toi, tu suis Jésus. Ah, Jésus m'a donné une voiture. Un jour, peut-être que je passerai à Abidjan quelque part là-bas. Venez à Jésus. Jésus donne voiture. Venez à Jésus. Jésus donne une maison. Jésus, c'est la maison de marabout. Hein. Alléluia. Okay. Pour l'avoir Jésus. Okay. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand c'est comme ça, lui s'y fait à côté et il est content. Amen. Le bon combat, c'est le combat de la sanctification. C'est ça. Parce que c'est ça qui amène au ciel. Tu vas commencer à faire d'une manière. Alléluia. Ils vont voir l'argent accroché à quelque part. Ils vont dire, bon, ici là, tourne un peu la parole pour prendre cet argent-là. Toi, tu vas voir les amis, dire non. C'est pas ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit tant. Ça va créer des foufous. Au plus profond là, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi qui fais. Le Seigneur, nous allons voir que le Seigneur va nous dire que nous n'allons rien apporter dans le monde. Ça dit, de toute façon, tu es venu à la maternité nu. C'est comme ça que tu vas partir nu. Même si on t'enterre avec voiture là, tu ne peux pas partir à ça dans le royaume. Tu ne peux pas partir à ça. Où. Tous ceux qu'on les enterre, hein? Avec l'argent, il faut demander. L'unième civil, c'est les brigands là qui s'en vont casser et qu'ils enlèvent l'argent.
la personne est pourrie. C'est les autres là qui sont là. Et puis il prend l'argent là, il prend or là, il prend tout, il s'en va vendre. Il ne peut pas partir avec ça. Donc si on t'enterre à ta maison, c'est zéro. La Bible dit quoi? Car nous n'avons rien apporté dans le monde. On ne va rien apporter dans le monde. Oui. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Il est évident, et puis c'est clair et net qu'on ne va rien apporter. Parce que quand un enfant naît, l'enfant vient nu. C'est sur la terre, si on paye la vie pour l'enfant. Donc tout ça, ça va rester sur la terre. Et puis tu vas partir nu. Oui. Si donc nous avons la nourriture. Donc Dieu dit, ce qui est bon pour nous, c'est ce qu'on mange là. La nourriture là. Si on a ça, et on a quelque chose pour cacher notre nudité, c'est ça est bon. Ça nous suffira. Ça nous suffit. Il va montrer quelque chose. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Voici le premier combat qui est en train de tuer tous les serviteurs de Dieu. Le combat qui est en train de tuer tous les serviteurs de Dieu, le combat terrestre. Le combat que Dieu n'est pas dedans. Qui est en train de tuer toutes les églises. Ce combat-là, c'est ça l'homme de Dieu va venir détailler. Bibliquement. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Dans le piège. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés dans et pernicieux. Dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Dans tous les désirs pernicieux. Ils vont prendre la parole de Dieu, ils vont déformer. Ou bien ils laissent la parole de Dieu, ils font. Non, comme c'est mon bon petit. Ok, lui il va faire ça. Comme c'est mon gars. Lui il va faire ça. Mon gars, c'est lui, c'est ça, c'est lui qui est ça. La parole de Dieu là. Non, non. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore? C'est très important. Que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Voici le problème. Maintenant, ça fait la vidéo pour attirer le visage des gens. Micro est gâté ici. Il a pris un appareil. Il a commencé à faire vidéo. Vous voyez, peuple de Dieu, micro est gâté. Bon, peuple de Dieu, clôture là. Ici là, ça enlevé. Vous voyez un peu. Sur nos bois là, c'est un parchet comme ça. Voilà. Ça, c'est un raquetage spirituel. Qui ne se dit pas son nom. C'est ça. Tout cette vidéo, vous voyez. C'est ça. Le démon maman est là. Vous voyez que le serviteur qui restait, il lui restait 1000 francs, il était content. Maintenant, quand il lui reste 1000 francs, il est dans tous ses problèmes. Le démon maman est là. Le démon maman est là. Et le démon maman vient avec la luxure, qui est Jézabel. Maintenant, les petites chaussures de 2000, non. C'est les chaussures de 100 000, 150 000. Les costumes de 200 000. La luxure. Alors que ce homme de Dieu, avec sa friperie de 2000 francs bien dépassée, il était tranquille. Il servait Dieu. L'amour de l'argent est la racine de tous les non-dits là. C'est ça. Amen. Donc voici le combat qui mène nos frères. Le combat que nos frères mènent, qui n'est pas le bon combat. Les mains, on va dire croisade. Si on lance croisade, on peut emmagasiner au moins 10 millions, 20 millions. Là, on va faire annonce là. Les gens vont envoyer. Donc, là, mon
deuxième terrain là, qui a commencé à construire le peuple. La vision de l'église est mise à côté. C'est la vision de l'âge. On fait des évangélisations. Un pouvoir payant, un pouvoir payant terrain pour nous-mêmes, mais pas pour Jésus. Mais pour nos propres intérêts. Et ça fait des sketchs. On appelle ça des sketchs. Des sketchs spirituels. Sors-lui! Sors-lui! On n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de ça. Dis à ton frère, Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de ça. À ma main spirituelle, Jésus n'a pas besoin de ça. À ma main spirituelle, Jésus n'a pas besoin de ça. Oui, on le veut. Ils se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourments. Sinon, ils ont bien commencé. Hein? Non! Ils étaient avec le Seigneur. Le Seigneur était avec eux. Tous ces grands, 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 soi-disant grands, grands, ils ont bien commencé avec le Seigneur. Il y a d'autres, ils étaient chocs, ils étaient avec le Seigneur. Quand ils chantent comme ça, tout le monde a reçu l'onction. Mais aujourd'hui même, il n'a qu'à chanter mille fois. L'oiseau même ne se lève pas. Alléluia. C'est le démon maman. Il est venu s'asseoir. Jézabel est là. C'est fini. L'onction de Dieu. Oui, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche la justice. Je recherche la justice. Voici le bon combat. Oui. Recherche la piété. Recherche la piété. Recherche la foi. Recherche la foi. Recherche l'amour. Recherche la quoi? L'amour. Recherche la patience. Recherche la patience. Recherche la douceur. Recherche la douceur. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Tu as fait une belle confession. Pour laquelle tu as fait une belle confession. En présence d'un grand nombre de témoins. En présence d'un grand nombre de témoins. Voici le bon combat. Homme de Dieu. La Bible nous dit, toi, homme de Dieu. Toi, servant de Dieu, fuis ces choses-là. Parce que l'amour d'argent, c'est la racine de tout l'amour. Comme s'il y a un pasteur aussi qui aime l'argent. Tu vois là où il va amener l'église. Elle le voit un peu. Il va faire voyager l'église. Hein. Il va mettre ça dans la main des frères maçons. Ils vont nous donner 100 millions. Il va construire l'église partout, partout, partout. Il y a église partout, partout. Mais la source a été livrée aux francs-maçons. On voit ça beaucoup. Amen. Le bon combat que le Seigneur veut. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, servant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit après, homme de Dieu? Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Toi, tu as saisi la mort. On lit la vie éternelle, tu lis la mort. La mort éternelle. L'argent, l'argent, l'argent. Alors qu'il te donne la vie éternelle. Il dit qu'il a fait une belle confession devant tout le monde. Les anges étaient là le jour là. Dans l'eau de baptême là. Quand tu t'as dit, Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon rédacteur, tu es mon Dieu. Les anges étaient là, il dit quoi? Beaucoup de témoins, c'est les anges là qui étaient témoins ces jours-là. Toi tu vas laisser ça, tu vas aller dans la mort. Peuple de Dieu, ressaisis-toi. Toi qui me suis aussi, ressaisis-toi. Parce que le Seigneur a tissé l'alliance, a nouvelle alliance avec toi, le bon combat là, voilà ça.